Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? Ayant appris sa naissance en cet endroit retiré, nous venons vous proposer d'exercer la surveillance comme c'est notre métier. Messieurs, je vous remercie, mais vous voyez bien qu'au fond de cette écurie, nous ne craignons rien. L'enfant est si plein de charme, entrez, il vous tend les mains, mais laissez dehors vos armes, l'enfant n'en a pas besoin. Mais laissez dehors vos armes, l'enfant n'en a pas besoin. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? Ayant appris la nouvelle, nous sommes venus si tôt avec deux ou trois chariots pleins des choses les plus belles. Nous n'en possédons que trois. Messieurs, je vous remercie, mais vous voyez bien qu'au fond de cette écurie, nous ne manquons de rien. L'enfant est plein de promesses, entrez, vous venez de gardez toutes vos richesses, l'enfant n'en a pas besoin. Gardez toutes vos richesses, l'enfant n'en a pas besoin. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? On dit qu'il est fils de prince, que son destin est tracé. Nous devons le raconter pour qu'à toute la province la nouvelle en soit donnée. Messieurs, je vous remercie, mais vous voyez bien qu'au fond de cette écurie, il ne se passe rien. L'enfant n'a d'autre importance que d'être aujourd'hui le mien. Mais faites un peu de silence, l'enfant en a bien besoin. Mais faites un peu de silence, l'enfant en a bien besoin. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? Nous n'avons que nos misères à lui offrir et pourtant peut-être il sera content d'être accueilli sur la terre par de simples pauvres gens. Venez, je vous remercie et n'en doutez pas, au fond de cette écurie, votre place est là. L'enfant est déjà si sage, voyez comme il sourit bien. Donnez-lui votre courage, l'enfant en aura besoin. Donnez-lui